Bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour, bonjour, ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio, et serait-ce le dernier stream et légende de Pokémon Arceus? Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas, on va voir. En tout cas, c'est l'objectif du jour, d'avancer au mieux pour enfin terminer tout. Enfin tout, on va pas faire toutes les cases de Pokédex, ça faut... non. Juste non. Point sur le son, il y a un peu de musique. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Bonjour tout le monde, bonjour Wedgeos dans le chat, bonjour Robert dans le chat, pour une fois j'y pense. Nous sommes à Rusticité. On va chercher notre commande du verger. Cette fois, j'y pense. C'est où? C'est là-bas. Ici. Alors qu'est-ce qu'on m'a donné? Qu'est-ce qu'on a récolté? Des oignons, des bourgeons, des plantes. Des plantes, des bouquets d'herbes. C'est tout? Il n'y a pas eu de... C'est deux à chaque fois, c'est pas rentable. Hein. C'est vraiment pas rentable. Des aromates, je sais pas ce qu'ils veulent entendre par aromates. Donc, 10 000 juste une fois. Juste une fois pour les aromates. Une fois. Bon, alors, point sur les missions de suite. La dernière des plaques, c'est la principale. Il faut aller voir Percupio au temple. Percupio, on est déjà allé le voir, il nous a démonté. Je manquais d'XP, donc je suis allé. La dernière fois, on est allé un peu XP. Dans les secondaires, ah voilà. Dans les secondaires, il y a la page Pokédex de Sériflore. Enfin, on a eu le Sériflore, mais la page Pokédex n'est pas à jour. Enfin, il faut monter niveau 10 dessus. Et c'est long. Et les flammes, rendez-vous aux ruines brumeuses du marais Carmin. Ah ben voilà, on va faire ça en premier. Direction le marais Carmin. Dans mon équipe, il y a qui? J'y pense là. Il y a un Evoli, il faut que je fasse évoluer. Sinon tout le monde est niveau 76, c'est pas mal, j'aimerais monter encore les niveaux. Et après il restera le 6ème Pokémon du roster à monter en niveau. Il est assez à la bourre en niveau en vrai. Hop là. Direction le marais Carmin. Pour cette histoire des 107 flammes. On avait terminé les arbis aussi. Et les arbis. Il n'y avait rien d'intéressant. Il me semble juste qu'il faut aller. Il faut aller. Il y a une grotte quelque part avec des arbis. Et les ruines bon vivre. Voilà. Faut aller par là. Il y a un truc à faire par là, mais je me souviens plus quoi. Juste voir les arbis. Ruine bon vivre tout droit. C'était à la base, c'était là-bas qu'on a vu la quête, si je ne me trompe pas. Et après, on fera un point Pokédex après les flammes. YOLO! Hop là. Je rentre en fly. D'accord. Ah bah regardez, il y a plein de zarbis partout. Ils sont tous là les zarbis? Enfin, certains, pas tous. Mais peut-être qu'on va pouvoir lire ça maintenant. Des inscriptions ressemblant à des lettres. Mais je veux le lire. Je peux pas le lire. Sérieux? Des Pokémon qui se capturent ça ou pas? C'est une blague. Je peux recapturer les arbis, sérieusement? Et il se barre. L'intérêt de les recapturer. Alors là, ils sont tellement effacés, les arbis, ils veulent aller traduire ça, quoi. Comment on fait? À quoi ils servent?
Pourquoi il y avait des arbis là? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Je sèche un peu là. J'ai tous les arbis. J'ai 28 sur 28. J'ai le petit tampon. Mais je sais pas. On est recapturé. D'accord. Finir les 28 arbis permet d'en avoir des sauvages, c'est tout. Non, je pense pas que c'est tout, il doit y avoir un truc. Je rentre juste pour voir s'ils ont repop. Mais j'aurais aimé qu'on puisse traduire la tablette, au moins ça quoi. Au moins ça. Et en fait, bah on peut pas. Ok, il y a certaines formes comme le O que j'arrive à déterminer, mais alors les autres elles sont tellement à moitié effacées que je sais pas. Sinon la plaque a déjà été traduite par la vieille au début. Oui, mais je m'en souviens pas. Ah bien bonjour. Reviens là toi. Si on veut l'XP de Pokémon, il suffit d'avoir les 30 Pokémon facilement, on va chercher des arbis quoi, c'est tout. Non, il doit y avoir une bêtise à vérifier. Il doit y avoir une bêtise comme quoi ça apporte un bonus. Ou peut-être des shiny non, quand même. Ah, quoique, peut-être en vrai. C'est un rapport peut-être à les shiny. En train de cramer toutes mes bols. Ça re-repop là-bas. Oh! Le tour de la salle de nouveau, ils vont re-repop. En fait, c'est peut-être juste ça, hein. C'est peut-être juste un petit bonus, peut-être de capture critique ou de. Ouais, ou d'avoir un petit pourcentage supplémentaire d'avoir des chaînes. Ça sert juste peut-être à ça, je sais pas. Bon, c'est pas tout ça. Mais voilà, les arbis, on a peut-être une piste. Même si on les a déjà tous, on a une piste. Maintenant, il faut aller. Ruines, non, c'était les ruines. Si, c'est ça, les ruines brumeuses, c'est là-haut. Ouais, c'est là-haut. Allez, go Farfuré! Farfurex, même, d'ailleurs. Chaque fois, je me trompe de monde. Alors, c'est tout droit. Sur ta rediff, j'ai tenté de lire le mur, mais c'est en anglais. Donc Osef, faut aller chercher quand la vieille a traduit. J'ai tenté de lire le mur. Ah, le mur, d'accord. Les arbis qui sont gravés sur le mur sont en anglais. D'accord. C'est pas comme les énigmes du Pokédex qui ont été traduits dans toutes les langues. C'est bon à savoir, ça, en vrai. On pourra effectivement voir la madame. YOLO. Hop là. Ah, c'était pas là. D'accord. Ah oui. Ouais, Typhlosion peut-être en premier. Vous ne voyez Pitris nulle part. Revenez à la nuit tombée. Oh. Bon. À la nuit tombée. La nuit tombée, au mieux, c'est le bivouac du marais. Je crois qu'elle me l'avait dit, mais j'avais oublié. Et il pleut. Génial.
Au plus proche, je dirais l'arène du théâtre. Il y a un colis en plus à côté de la quête. Non, on va pas refaire le combat. Alors le colis, tout droit. On voit rien du tout. Une très grosse. Le colis. Ah, je le vois, il est par terre. Juste sous moi. Hop là. Te voilà enfin Jake, commençons sans plus tarder. Mais je dois d'abord t'avouer quelque chose, je t'ai menti. C'est pas la fin du monde ? C'est au sujet des flammes étranges, en vérité il y en a 108. Ah. Mais pourquoi 107 et pourquoi 108 en particulier ? C'est un chiffre quand même, enfin, c'est pas anodin. J'ai la dernière en ma possession, il te faudra la mettre dans la clé de voûte avec les autres. Bah donne-la moi dans ce cas. Cependant, avant toute chose, veux-tu bien me dire ce que tu penses de moi ? Pardon ? Tu ne sais pas ? Alors que tu as passé tout ce temps à rassembler les 107 flammes étranges, ce n'est pas grave, nous aurons tout le temps de faire connaissance plus tard. J'ai enfin trouvé mon premier Caninos, Baron. Caninos Baron, moi GG. Il y a un spot de Caninos très simple à trouver. Si jamais je te le dis, pour l'instant je te le dis pas, j'attends ta réponse. Mais il y a un spot de Caninos quelque part. Très simple, vraiment très simple. Et Caninos Baron, punaise. Bien, il est temps, la dernière flamme étrange. Une fois qu'elles seront toutes rassemblées, le voyageur à l'étrange pouvoir me pardonnera. Du moins je l'espère. Ferme les yeux un instant, je te prie. Non. C'est barré. C'était elle la flamme? Attends, Pitris, c'est Pitris. C'est un anagramme. Pitris, c'est Spirit. Spirit bomb. C'était elle le Pokémon. C'est elle. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Elle a disparu sans laisser la moindre trace. Et voilà, te faire rassembler les flammes était ma facilité ultime. Merci d'avoir joué le jeu, j'espère que tu ne m'oublieras jamais. Bouchée double. Vous sentez la présence d'un Pokémon étrange. Et il est là en fait. Une aura inquiétante se dégage des étranges fissures de cette pierre. Qui m'a aggro. Oh! Qu'est-ce que je fais? Je le combat, je le capture. De toute façon, il m'a vu. Aïe aïe aïe. Grimpe! Grimpe! Est-ce que je peux m'en aller? Essayer de l'avoir en secret. Non, il a décidé de me suivre. Il va essayer de grimper. Ah oui, oui, il me voit de loin même. Hop là! Ah, je peux peut-être l'avoir comme ça. Non, pas toi. Pas toi, j'ai dit. Toi. Voilà, capturé, sans combattre. Sérieusement. C'est même pas drôle. Par contre, pourquoi j'ai plus accès à... En bas à droite, il n'y a plus mes Pokémon et mes Pokéballs. C'est quoi ce bug? C'est
Pourquoi ça bug? Attendez. Je l'ai capturé, on est d'accord. Spécimen attrapé 1. Et après, pour lui remplir sa page Pokédex, il faut le faire combattre. D'accord. C'est 40 et 70. Ah ouais. Même pas l'honneur de le combattre. Je veux bien le spot des Caninos. Le spot des Caninos. Alors, hop là. Il faut aller à la côte Lazuli. Et... attendez, je regarde. Voilà. Une fois qu'on est sur la côte Lazuli, il y a une petite montée ici, là. En dessous du bois Brisevent, il y a la petite montée qui permet d'aller sur la falaise. On continue sur la falaise. Et ils sont pas loin, bah, là où il y a le colis du Cap du Voile. Les Caninos, ils sont sur toute cette là. Là où on a vu pour la première fois la dame avec les Caninos qui n'était pas encore roi. Bah, c'est à ce niveau là. Là il y a un bon spot de Caninos. Voilà. Juste là. Mais ah voilà, j'ai de nouveau mes Pokéballs et mes Pokémon, ça devait être un bug. Bon bah j'ai capturé Spirit Bomb sans combattre, au secours. Bon, et bah, justement, point Pokédex. Point Pokédex. C'est là que j'ai eu le baron, mais il n'y a que des Chaglam. Essaye peut-être sur d'autres moments de la journée. Je sais pas. Mais alors, c'est là où j'en ai déjà eu plusieurs des Caninos. Hein. Sans blague. Caninos, j'en ai attrapé 4 ou 5, je crois. Caninos, j'en ai attrapé 2, j'en ai vaincu 2. Et je vais te donner plein de nourriture. Voilà. C'était mon spot à Caninos. Alors maintenant par contre je vais retrier le Pokédex d'une autre façon. Donc il faut, j'ai un Brindibou quelque part. Il va falloir que je le fasse évoluer. J'ai un Moustillon quelque part. Il va falloir que je le fasse évoluer. Mentali, c'est en cours. L'évolie que j'ai sur moi, c'est en cours. Mais de toute façon, c'est, je sais pas s'il faut, c'est d'aller voir tous les Pokémon, je crois. C'est même pas d'aller les capturer. Seraphrous, faut le faire évoluer. Abra, bon, bah Abra, je sais pas, je sais où ils sont, mais j'arrive pas à les attraper. Whistikram, il faut le faire évoluer. J'ai déjà eu le Simiabras Baron, il y a juste à le faire évoluer. Lockpin, Seriflore. Bah Seriflore, le problème c'est qu'il me faut un Seribou. J'ai besoin d'un Seribou. Donc voilà. Un sécateur, il doit y avoir son évolution. Scarino, donc ça veut dire qu'il y a des Scarabrus quelque part. Je me souviens pas en avoir croisé. Chlorobule à faire évoluer. Yanma, c'est le gros moustique, il peut évoluer. Pas de Scarabrut ? C'est quoi le 74 dans ce cas là, je sais pas. 74, je sais pas. Sac de nœuds, chlorobule évolution. Le moustique. Bon, après, bon, c'est rencontrer plus qu'attraper, mais j'aimerais bien les attraper quand même. Simularbre, c'est le baby Simularbre, c'est le buisson, c'est le petit buisson. Alors, par contre, j'en ai jamais croisé. Hein. Togetic et Togekiss. Une minute, attendez, il y a plusieurs choses là que je me rends compte. Togepi, il est coloré, c'est que je l'ai attrapé. Togetic. Je l'ai attrapé, Togetic. C'est Togekiss que j'ai pas. On aurait dit qu'il était grisé celui-là, mais il est pas. Faut que je me fie au texte plus qu'à l'image en fait. Mon Togekiss, je l'ai rencontré, je l'ai pas attrapé, mais je sais où est-ce qu'il est. Boscara, Torterra, il a été rencontré. Mais en gros, j'ai juste à faire évoluer Boscara, mais bon voilà. Porygon 2, je l'ai. Porygon Z. Porygon Z, c'est dans les failles. Bah, tous les Porygons, de toute façon. Et j'ai déjà croisé Porygon, Porygon 2. Et Porygon Z, je ne l'ai pas croisé. Il va falloir faire pop des failles. Cornèbre, c'est son évolution. Bon, j'ai eu des Zarbi Shiny, pardon.
Pourquoi il y a une Pokéball? Ah non, ça veut dire que j'ai. Ça veut dire que j'ai le Pokédex rempli. Pardon, j'ai rien dit. C'est le Pokédex parfait. C'est pas des Shiny. En même temps, des Arbi Shiny, ça serait bizarre. Donc bon. Pour faire évoluer Sarfrousse et Bargantua, ah, j'ai halluciné. Les autres futurs. Mais pour les autres futurs monarques. Ça... Punaise, c'est vrai que c'est lié au monarque. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Moi, c'était celui où j'ai bugué pour le faire évoluer, mais c'était nécessaire pour la quête des légendaires. C'est Quillpic, Quillfish, un des deux. Pour faire évoluer dans l'autre. Ça, je l'aurais pas su. Hein. J'ai regardé la réponse, je l'aurais pas su. Donc bon. Bon, là, c'est Cornèbre, le grand Cornèbre que j'ai déjà croisé, que je n'ai jamais capturé. Je l'ai même pas combattu. Il m'en manque pas tant que ça, je pense quand même. Terraclope. C'est son évolution, mais je ne l'ai pas croisé, son évolution. Sérieux? Tiplouf, il me manque son évolution. Pangoléon, je l'ai déjà capturé. Il me manque juste son évolution à Tiplouf. Bargantua, ben c'est Paragruel, Pantagruel, là, je sais plus, voilà lui. Ensuite, Magmar, Magby, Maganon. Ok, là, Magnézone. Magnéti et Magnéton, ils sont dans les failles. Ça, je les ai déjà croisés, mais je les ai fui. Mais ils sont dans les failles. Les kids et les techs et les câbles, on l'a fait au dernier stream. Heureusement, ça m'a permis de m'avancer un peu. Scorplane, on l'a. Scorvol, j'ai jamais attrapé de Scorvol? Sérieux? J'en ai croisé plein dans les contreforts quand même. Grignote, Karchakrok, il me manque l'évolution du milieu. Voltorb, bah, il faut faire évoluer un électrode. Motisma, on s'en fout. Eoko, et en dessous d'Eoko, c'est la petite boule jaune, là, le Pac-Man, je sais, mais oui. Je crois que c'est dans les contreforts. Je crois que j'en ai déjà vu même. Feu-feu-rêve, Magirêve, Mélofée. Bah c'est petit ravi là. En dessous, c'est petit ravi, mais j'en ai croisé des petits ravis pourtant. Alors là, ça me paraît bizarre. Ursaring, c'est chiant. Le Pac-Man. Ouais. Mélo. Oui, Mélo, pardon, Mélo tout court. Mais j'en ai croisé des Mélos pourtant. J'en ai déjà croisé, hein. Farfuré, Farfurex. Il y a peut-être une troisième évolution. Là, je sais pas. Salgamanigalimomartic. Alors là, il me manque un lot de 4. Pas là, je sais pas. Ensuite, on descend. Là, c'est un lot de légendaires. Ça, c'est clairement des légendaires. Et de toute façon, là-dedans, il doit y avoir. Ah non, Giratina, il est là. Ça, c'est Arceus, le 238. Mais ça, le 231 à 234, c'est un lot de légendaires. Hein. Ça, c'est clair. Bon, alors, lesquels? Par contre, c'est un lot de 4, c'est pas un lot de 3. Qu'est-ce que ça peut être comme légendaire? Je sais pas. Bon, là, c'est un lot de légendaires. Donc, il y a encore des légendaires à farm. Bon, on fait quoi en premier? Les 4 trous, là, j'ai bug pareil parce que. Pareil que toi. Ce sont les fossiles de la 4G. Des fossiles? Des fossiles? Punaise. Bon, j'en ai vu 208. J'en ai capturé 179. Bon, et après, page Pokédex 78, mais ça, c'est pas grave. J'en ai vu 208 sur 242, c'est ça. Je peux pas aller à l'envers, voilà. Sachant que pour la quête de Arceus, c'est jusqu'à 238 en vrai. 239, 40, 41, 42, il n'y en avait pas besoin. Ça, c'était juste du bonus avec les. Pour dire, voilà, on est des joueurs fidèles de Pokémon. On vous donne, vu que vous avez joué à Let's Go, Diamant, Perle, Épée, Bouclier, voilà. Ça c'est lié à ça. Non, mais ça, je sais que ça comptait pas. Donc la quête s'arrête à 238. Mais bon, ils sont là, ils sont là. 208 sur 200. 42, ça fait 218, 28, 38. Il me manque 34 Pokémon. Ah ouais, quand même, il me manque 34, hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là?
Je vais mettre Brindibou Moustillon dans l'équipe. Punaise, je voulais mon Mentali, moi. Je voulais mon Mentali. Hein. Je pense que je suis proche de l'avoir, en plus, le Mentali. Hein. Je pense que je suis proche de l'avoir. Hein. Attendez, je récupère ça. Tac. Je suis vraiment proche de l'avoir. Dinoclier et Cranidos. Dinoclier ? Je crois que je l'ai vu dans une faille. Cranidos, ça me parle pas. Bon. J'ai besoin de mettre de l'or dans mes pensées et dans le Pokédex. Brindibou, de toute façon, et Moustillon, je les aurais. Enfin, et leurs évolutions, je les aurais pas dans le jeu, à part dans les failles. Et encore, faut vraiment avoir de la chance. Donc, je pense que je vais vraiment mettre Brindibou et Moustillon dans mon équipe pour les faire évoluer. Et après, on ira farmer. Mais Sarfrousse, je vois pas comment le faire évoluer lui. Qu'est-ce qui est simple là-dedans? Abra, faut aller le chercher. Abra, il est dur à avoir, hein, mais je sais où il est. Whistikram, faudra le mettre dans l'équipe. Et j'ai besoin d'aller chercher des Seribou. Hein. Je sais pas comment faire, hein, j'ai besoin de Seribou. Hein. Seribou, c'est juste le trouver. Hein, ça, c'est de l'évolution. Là, 74, c'est quoi le 74? Je regarde sur l'internet. 74. J'essaie de pas trop me spoil. 74, c'est Cisayox. Punaise, le 73, d'accord. Ah oui, ben, le sécateur, j'aurais pu le mettre longtemps dans l'équipe, dis donc. Un sécateur, c'est avec un truc. Évolution en utilisant une peau métal. Donc là, normalement, des insécateurs à faire évoluer, j'ai tout ce qu'il faut, je crois. On peut faire ça. On va rentrer au campement. On peut faire évoluer. Bon, je viens de me spoiler sur les insécateurs, mais en même temps, ça, je l'aurais pas deviné. Donc, j'ai besoin. Mais j'ai besoin de les mettre dans l'équipe. Je veux gérer mes Pokémon, monsieur. Je veux. Oh là là, faut vraiment que je fasse du tri là-dedans. On est en page 15. On retient la page 15. On retient la page 15. Luxcré. Déplacé. Luxcré et Kadabra en page 15. On retient. Ensuite, gestion des objets. J'ai dit une obsidienne et une peau métal. Alors déjà, il y a des choses qui vont de l'autre côté. Ça de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Obsidienne et peau métal. Non. Je vais réorganiser. Obsidienne et peau. J'en ai pas. Ah si, j'ai une obsidienne. Ça c'est un électriseur. Ça c'est une peau métal, parfait. J'ai ce qu'il faut. Mais il va falloir farmer les choses à acheter au marchand du bonheur là. Pour les colis, c'est elle qui a tout ce qu'il faut pour les évolutions. Bon, j'ai que pas mal de choses, mais ça sera pas suffisant. Je pense. Ensuite, Pokédex. Pas Pokédex, truc machin là. Alors, utiliser sur un sécateur. Pour les starters, il vaut mieux les faire leur tâche avant leur évolution. C'est plutôt rare en faille. C'est vrai qu'il y a cette histoire des tâches aussi pour les starters. Allez, achécateur, c'est fait. Ensuite, utiliser sur lui. Et Cisayox. Ça, c'est fait. Maintenant, on revient ici. Voir mes Pokémon. On est en page 15. Donc, on récupère. Parce que sinon, je ne vais pas me souvenir où est-ce qu'ils sont. Les Pokémon que j'ai besoin dans mon roster. Voilà.
Maintenant, on revoit au Pokédex. On revoit. C'est français ça, revoir? Re-aller? Non, c'est pas français du tout. Pokédex, c'est fait. Sachant que je pense qu'il va falloir faire évoluer le Pokédex à un moment donné. Le Cerebou, on a dit que... Oh, faut que je reprenne du départ, je me suis déjà reperdu. Bon, starter, ok. Starter. Mentali, c'est en cours. Même si j'ai déjà croisé. Surfrousse, 50. Allez, go spoil, 50. J'ai dit quoi, 50? 50. Évolution de Surfrousse en l'utilisant 20 fois. Sprint bouclier en style. Mais qu'est-ce que tu veux le savoir, ça? Surfrousse 20 fois sprint bouclier en style rapide. Sérieusement? Bon, on va le faire. Oh là là, un Surfrousse. Où est-ce que c'est ça? Un Surfrousse. Bah tiens, Magnézone, il est là. Surfrousse, où est-ce que t'es? Je sais qu'il y en avait dès le départ. Ah là, il y en a un, niveau 32. C'est sprint bouclier, c'est ça? Sprint bouclier. Je l'ai. Bon, on va prendre ça. Déplacer. À la place de... Luxray. Je vais déplacer mes Pokémon à moi, parce que là, ça... Je vais les mettre dans la dernière page. Sinon, je vais vraiment pas m'en sortir. Je vais mettre là, voilà. Là, il y a les deux starters. Oh là là, mais leur tâche à eux, ça va être horrible. Brindibou et Moustillon. Punaise. Raptor. Kadabra. Donc là, en page 1, on déplace. Ici. Brindibou et Moustillon. C'est quoi leur tâche à Brindibou et Moustillon? Brindibou et Moustillon. Brindibou. Il faut... Tout ça? Feuillage, atterrissage, aéropic, allez! Et Moustillon? Oh là là! Ah, la galère! Bon, de toute manière, faut le faire, donc c'est parti. On peut mettre le jour, s'il vous plaît? J'aime pas la pluie. Ou alors il fait jour. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre le matin. Voilà, c'est mieux. Le brouillard, ça me gêne déjà un peu moins. Bon. Alors, X. On va commencer par Surfrousse. C'est... Bien, c'est sprint machin. Surfrousse et sprint machin. Aucun Caninos. Vent, pluie, jour, nuit. Bah, on va y aller après, de toute façon. Je te montrerai en espérant qu'ils y sont pour moi du coup. Et les, attendez, vite fait, les Cerebou là, j'ai dit que c'était le combien? Cerebou. Carte. Forêt lointaine, grotte préhistorique, ça c'est loin, marais, bouson ferry. Oh, mais ils sont que au contrefort, ça. Bon, j'ai pas besoin de m'en occuper alors, pour l'instant. Là, il y a un petit coquac. Go. Capacité, une bouclier en rapide. Ça, c'est en rapide, hein. 50. Donc, j'avais dit 50. 20 fois bouclier en rapide. 20 fois. Il a évité l'attaque, mais ça me compte un coup en moins. J'ai mis du rapide pourtant. Voilà, ça fait 2. Tu as 2, enfin. Ensuite. Là-bas.
J'ai trouvé le colis perdu de Regina. Elle a changé de monde. Elle est plus dans le monde de Disney. Print billet en rapide. Il a évité l'attaque. Mais est-ce que ça me le compte quand même? Avant d'aller au campement, on va faire du brindibou. Et brindibou, il y a plein d'attaques à faire. Feuillage, atterrissage, puissant et rapide. En gros, il faut qu'il fasse tout. Quoi. Par contre, niveau 12, il va prendre cher mon Pokémon. Je devrais peut-être retourner dans les plaines. Il sera peut-être plus intelligent, je pense. Mais ouais, je vais perdre un peu un XP de Pokémon. Du Pokédex. Tu perds 2 PP, ça ne compte pas. Oh là là, quelle arnaque. Quelle arnaque. Et va là-bas. Ah, parfait. Ils vont s'adorer eux deux. Alors, tornade, feuillage et atterrissage. Feuillage et... rapide. Ah, je peux pas. Il est passé au niveau. Bon ben bouffe. Voilà, comme ça au moins. On a 50 ans à le battre, mais c'est pas grave. Comme ça à la limite je fais les rapides et les puissances pour atterrissage et le. En mode pas du tout strat. Là c'est contraire à la strat. Aïe. Dégueulasse. Beau moustillon. Je crois qu'il avait Aqua Jet ou quoi. Aqua Jet. Voilà. Je m'amuse. Allez, c'est gratuit. Ça retrouve le problème, c'est qu'il a plus rien à... J'ai pas envoyé Evoli quand même. Bon allez, j'envoie Evoli. Ça peut lui faire monter son bonheur. Évolue qui ne veut pas évoluer pour le moment. Bon, il faut rentrer à la base. À la base, au campement. Au bivouac. Hop. Pour se reposer. Alors, point Pokédex. Je suis à 5 feuillages sur 15. Je suis à 2 Aqua Jet sur 15. Ils sont pas prêts d'évoluer ceux-là. Hop là. Quand même au niveau plus élevé.
Vas-y. Au revoir, Brindibou. Non, c'est pas la charge que je voulais faire. Je voulais pas faire ça. Oui, carrément. Ah oui, quand même. Il y a un autre petit copac en face. Il me reste des PP sur Sarpus. Bon, je vois ça d'ailleurs, attendez. C'est pas comme ça. Résumé peut-être ? Ouais, ça, j'ai plus. Il va falloir que je me heal. Ah, il y a des petits covoques en face, quoi. YOLO. Goupix et Caninos ont le même spot et sont rares. Toujours pas de Caninos, mais j'ai eu deux Goupix. Sérieux? Regardez si j'étais proche de la moitié ou pas des fonds. Hop là. Ah, il s'est barré. Là, il y a un psycho quack.
Alors, ça repousse, il est en 50. Hein. Je suis à 13. 13 sur 20. Ok. Gortante, je pense qu'il va me démonter. Oh punaise, c'était mon dernier style rapide. Il a évité l'attaque. Allez, génial, je suis content. Ça, c'est pas cool. Pourquoi je change pas de Pokémon là en fait? Putain, c'est plus idiot moi. Allez, goût le feuillage. Pas très efficace. Au revoir, Brindibou. Mustillon. Let's go. Oh punaise, mais les dégâts! Au revoir, Moustillon. Allez, Evoli, termine le combat. On se re-heal. Point Pokédex. Sarfrou, je suis à 13 sur 20. 13 sur 20, quoi. Oh bah le critique. Ça c'est fait. D'accord. Désolé de t'avoir dérangé. Non, pas ça. Et 18. Plus que 2.
Non, Vortante, il me fait mal à chaque fois. On va pas aller voir les Vortantes. Faut que les combats durent plus longtemps. Je vais peut-être pas aller voir des Fantominus. Là, il y a des psychoquois quand même. Alors, dégage. C'est bien qu'ils apprennent des choses un peu plus intéressantes. Là, le point de vue de pauvre. Là, il y a un paras. Les paras sont assez violents. Ah, ça y est, j'ai du style rapide et tout. Cool. Bon, il va me faire bobo, mais ça. Alors, feuillage en rapide. Ah, mais continue comme ça, c'est très bien. Varas, fais tout le temps ça. Tant que ça n'a pas d'effet sur moi, ça me va. Parfait, il a que ça. Je veux des paras comme ça tous les jours. Ah mince, il change. Parfait. C'est rigolo ça. Ah, un petit vol vie. Ça me permet d'attaquer d'autres. Aïe aïe aïe. Varas s'est réveillé. À quoi dire? Pareil, c'est bon, j'ai le rapide ici là. Cool. Adieu Paras. Alors, il me faudra un autre Paras. C'est un Paras Baron là-bas, on est d'accord. Oui, c'est un Paras Baron. Peut-être pas aller voir le Paras Baron. Où est-ce que je peux aller? Quoi, c'est un Krixik? Allez, go. Niveau 8, c'est bas niveau ça par contre. Là-bas, il y a un Clinosaur. Il y a un arbre qui bouge aussi au passage. Peut-être qu'il y a un Seribou. Non. C'est un Pachirisu dans un arbre. Niveau 20. Ah, par contre, ça craint. Oui, ça aussi, ça craint. Ça fait mal. Je m'attendais pas. Mais pas du tout. Mais il va avec Evoli. Evoli, faut qu'il évolue là. N'est pas en pleine nuit, comme tu penses. Ne pas le faire évoluer en pleine nuit. Faut pas que je bug. Bien évolué, vas-y.
Bon, les trois Pokémon dont j'ai besoin, ils ont soit plus de PP, soit ils sont KO. On rentre au camp. Il tout ça. Jusqu'au petit matin. Ok. Evoli ne veut pas évoluer. Evoli fait grève. Point Serfrousse. 18, plus que 2. Ah, désolé. Ok. On rentre par là. Juste pour être tranquille. Direction l'évolution de Serfrousse. Serbilin. Un papy. Ok, alors Serbilin, je suis désolé, mais tu rentres dans voir mes Pokémon. Serbilin, tu t'en vas. Je vais te mettre là, ouais. Qui devait faire quelque chose? Qui devait évoluer? Un Terraclope. Comment ça évolue un Terraclope déjà? C'est le 159, donc peut-être un 160. 160. Évolution de Terraclope en utilisant un tissu foche. On va directement ici. Un tissu foche. Qu'est-ce qu'un tissu foche? Est-ce que j'ai un tissu? Bah, voilà. Je l'ai sous la main là. Ok. En attendant, on fait du tri. Ensuite, utiliser sur Terraclope. Ah, il est stylé celui-là. Noctunoir. D'accord. Ça réévolue en Noctunoir ou pas? Non. Ça ne réévolue pas. Réévolue pas. Voir mes Pokémon. Noctunoir, tu peux retourner là-dedans. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Cornèbre. C'est le numéro 140. 140, Cornèbre. Évolution en utilisant une pierre nuit. Allez, c'est parti. Tac. Est-ce que j'ai une pierre nuit dans mon sac? Pierre nuit. En voilà une. Déplacée. On va la donner. Pourquoi il y a un trou là? J'ai un trou dans mes objets rares, pourquoi? J'ai donné un objet rare à quelqu'un? J'espère pas, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouf. J'ai peur. Alors, pierre nuit. Sur Cornèbre.
super stylé, ce oiseau, Corbos. J'aime beaucoup son design. Voir mes Pokémon. Corbos, hop là, tu rentres au bercail, déplacé. Ensuite, les Porygons, ça évolue pas. Hein, tout ça. Je vérifie un truc sur les Porygons vite fait. Porygon, numéro 134. Évolution, Porygon. Porygon 2, je l'ai. En utilisant un améliorateur. Porygon Z, c'est l'évolution de Porygon 2 en utilisant un CD douteux. Mais des Porygon Z, je peux en voir dans les failles en fait. Est-ce que j'ai pas un CD douteux sur moi? Je vais vérifier, hein, ça me fera ça de fait. Je ne crois pas que j'ai de CD douteux. Non, je n'en ai pas. Faudra que j'aille à... Non, je vais pas me reposer. Non, 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 j'ai changé d'avis. Je me suis trompé de bouton. Pour mes Pokémon, ok. Donc Porygon 2, on sait que... Le Porygon Z, je sais qu'il est dans les failles. Ça, je le sais. Je l'ai... Je le sais. En même temps, les deux premiers y étaient. Bon, qui sait qu'on a d'autres, sinon à s'occuper. Aïe. Petit Ravi... Ah oui, non, j'ai confondu Petit Ravi et le Mélo, pardon. Qui devons-nous s'occuper? Oh, le mieux c'est que je regarde correctement le Pokédex plutôt que ça. Furéglon, Rhinocorn. Il y a lui là, il y a le barbare Gantua, c'est le 166. 166. Paragruel, évolution de Bargantua, motif blanc. Comment je le sais ça? Après avoir perdu 294 PVA en dégâts de recul sans tomber KO. Comment voulez-vous le savoir? Bargantua, motif blanc. Mais comment je le sais que c'est un motif blanc? Surtout que j'en ai pas attrapé beaucoup des comme ça. Alors un poisson dégueulasse. Là il n'a pas. Et en page 7, il n'y a que le page 7. Il n'y a que le page 7. J'ai un peu fermé les écaillons, juste un peu. Il y a le Voltorb électrode aussi à s'occuper. Attendez, là, il y en a un. Bargantua. Mais comment je sais? J'en ai deux, donc page 7 et page 10. Comment je sais que c'est un motif blanc? Là, il n'y en a pas d'autres. Là, on est déjà dans d'autres régions. Je pense pas en avoir ici. Non. Et après, c'est là, je suis quasiment à jour. Ouais. Ouais. Toi, par contre, tu dois aller avec les légendaires. Déplace. Hop là. Comment je le sais ça? Motif blanc. C'est... Ouais. Voir mes Pokémon. Alors vite fait, dans ce cas, on va... Le motif blanc, je comprends pas. On va jeter un oeil aux électrodes, ça sera plus simple. Voltorb, pardon. Ça sera peut-être plus simple. J'en ai trois là. C'est le 192. 192, voilà. Électrode de Hisui, il évolue juste avec une pierre plante. Bon, on va le faire de suite. Ce sera fait. Voilà. Je sais que j'ai des pierres plantes là-dedans. Moins une. Voilà, j'en ai une. Utiliser. Sur Voltorb.
Électrode de Isui. Ok. Voir mes Pokémon. Électrode, tu rentres dans le pâturage. Farfuré, Farfurex 202, tout ça aussi c'est lié au mot monarque. Farfuré, j'ai Farfurex et Dimoré. C'est Dimoré qui me manque. Évolution en utilisant une griffe rasoir la nuit. Est-ce que j'ai une griffe rasoir? Une minute. C'est Farfuré là, pas Farfurex. Et moi j'ai besoin de Farfurex. Ils peuvent évoluer à condition d'avoir deux griffes rasoirs. Une fois le jour, une fois. Non, attendez. Ah non, Farfurex, c'est l'évolution de Farfuré. Et Dimoré, c'est aussi l'évolution de Farfuré. D'accord. Mais je les ai. Alors 202, 203, 204. Point Pokédex. Non, c'est pas ça. Point Pokédex. On y arrive. Farfuré, je l'ai. Farfurex, je l'ai pas, mais je l'ai vu. Et c'est Dimoré qu'il me manque. Donc, s'il me faut une griffe rasoir, la nuit. Est-ce que j'en ai une griffe rasoir? Je n'ai pas de griffe rasoir. Bon, je vais le reposer dans ce cas. Je vais le reposer. Non, je vais pas me reposer, je veux le reposer. Tac. Arcanin, je l'ai, je crois. J'ai un doute. Je l'ai, Arcanin. Arcanin, je l'ai croisé. Dans le doute, attendez. Dans le doute. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas venir? Ah bon. Dans le doute. C'est le numéro combien? Pas écrit. Il est niveau 42, mais c'est pas écrit son niveau. Punaise, il va falloir que je cherche là-dedans. Bon, c'est pas grave. Là, au pire, attendez, plaine, que marée, côte. On va bien trouver un arcanin, caninos là-dedans quand même. Goupix, Fenard. Caninos. Arcanin. Arcanin, il est là. J'en ai... Je l'ai dans le Pokédex dans ce cas, Arcanin. Il est dans le Pokédex, Arcanin, donc j'ai pas à m'en occuper. Ok. Donc Caninos, je te remets là-dedans. Je me pomme là, je pense. Je me pomme. Bon, Brindibou, tout ça, on les a. Mentali, c'est en cours. Abra, c'est aux plaines. Bicicram, ça sera une évolution. Seribou, c'est dans les arbres. Chlorobule 93-94. Fragile Eddy. Évolution de Chlorobule en utilisant une pierre soleil. Ça, j'ai. Donc, je vais prendre un Chlorobule sur moi. Et j'y arrive. Je passe à travers le monsieur. Très bien. Alors, Chlorobule, non, ça c'est pas ce que je cherche. Chlorobule, je dois en avoir quelque part. Ici. Ça c'est un Chlorobule. Pierre Soleil, j'en ai plein. Allez, go.
Bon, fragile et 10, c'est fait. Ensuite, on descend. Yanma, 105, 106. Évolution de Yanma en ayant appris pouvoir antique. Yanmega, ça devrait le faire, ça. On va le faire. Yanma, on va prendre un Yanma avec nous. Fragile Eddy, tu rentres au bercail. Voilà. En ayant appris pouvoir antique. Est-ce que c'est le seul moustique que j'ai ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'au pire, s'il y a déjà des pouvoirs antiques, ça m'arrange. Il n'y a pas de moustique. Ah, il y en a un là-haut. Lui, il n'a pas pouvoir antique encore. Il y a le page 8 qui est plus évolué, qui est plus de niveau, pardon. Et je pense pas que j'ai d'autres moustiques en vrai. Non, je pense pas. Après, il y a un moustique baron hein, que j'ai déjà croisé, que j'ai jamais eu. Ok. Voilà. Je viens dans mon équipe. Hop là, on va gestionner tes capacités. Français sur 20. Oh, oh. Évolution de Yanma en ayant appris pouvoir antique. Ou alors on le trouve au Chambourdonne. Chambourdonne, il est par là. Il est loin le Chambourdonne. On va voir. Peut-être qu'avec un peu de chance. On va voir le moustique baron. Mais avant ça. C'est pas un sériflore. Un séribou, pardon. Ok, bon, point moustique. Un moustique baron, un moustique vert, il va y en avoir là-bas. Il y en a bien quelque part. J'en ai déjà croisé, ça c'est sûr. Je reste à savoir où est-ce qu'il est de nouveau. Allez le moustique baron, t'es où?
Où est-ce qu'il est? Le retour, s'il te plaît, tu plantes pas, tu restes là. La moustique baron. Là-bas, je le vois. Il est un peu loin par contre. Mais il s'éloigne quand je m'approche. Ah bah voilà, bah Yann Mega c'est fait, écoutez. Hein? Tranquillement, on peut rentrer au camp. Je peux ranger le moustique que j'ai mis dans mon équipe. Ça c'est fait. Pas besoin d'utiliser un item. Voir mes Pokémon. Allez, Yanma. Tac. Déplacé. Ici. Bien. Je vais relire le Pokédex. Ouvrir. Les trois mucuscules, c'est bon. Le 123. Ah oui, c'est le petit arbre, le petit buisson 123. Col mer de nuages, temple céleste, c'est pas ici ça, ça c'est au contrefort. On descend, Porygon on a vu. Hein. Je suis à 216, c'est pas mal ça. Ça, type ouf, ça sera de l'évolution. Quoique on peut peut-être chercher le 162. Évolution, ouais, rien de bien intéressant. On peut en croiser des fois au chemin de la source. Bon, soit. Bargantua, bon ça on l'a vu. 77, 78. Ça, c'est les magnétons, c'est dans les failles. Ils sont dans les distorsions sur la côte, en plus. Bon, c'est pas ici. Le 188. Évolution de Grignot au niveau 24. D'accord, on va mettre le Grignot, Je n'en ai pas. Et les Grignot, on en trouve... plutôt contrefort ou bien terres immaculées. Zut. 195, c'est contrefort, ça je le sais. 199. Ah oui, c'est Mélo. Oui, mais ça, oui. Oui, ok, d'accord. Mélo Delphe, Farfuré, ça, c'est on l'avait vu. J'ai besoin d'une griffe rasoir. Les 200 et quelques, là. Dinoclier dans les failles, génial. 208 Cranidos dans les failles au contrefort couronné, ok. 211 pareil, faille. Et d'après ça, c'est les légendaires. Attendez, 221 là. Ah oui, j'ai déjà combattu. D'accord, je viens de voir, je vous spoil pas, je viens de voir. Ça c'est Arceus le 238. Bon, je reprends du zéro. On est sur comme pour savoir s'il faut que j'aille en farmer ou pas. Donc évolution, évolution. Évolution, évolution. Mentali, on y arrive. Abra, il faut aller dans les plaines. Donc on va aller dans les plaines. Ça c'est de l'évolution. Ça, c'est dans les arbres, on va venir au contrefort. Il y a beaucoup de choses à faire au contrefort en vrai. Contrefort. Évolution ou faille. Évolution. Bargantua, alors ça le Bargantua il m'embête hein. Ça le 166 il m'embête hein. On va relire quand même.
Évolution de Bargantua motif blanc. Mais je ne sais pas comment c'est le motif blanc en fait. Et surtout, après avoir perdu 294 PV en dégâts de recul sans tomber KO. Au secours. Au secours, on ira peut-être faire en dernier. 77, oui, alors ça c'est dans les failles. 177, 178, j'y avais plus parlé. Distorsion dans la côte. Ok, donc faut aller à la côte et au contrefort. Ricknote, 187. C'est pas ici. Contrefort. Contrefort. Là, il me faut un item. C'est la griffe rasoir, je crois. 204. Griffe rasoir, la nuit. Il me faut une griffe rasoir, la nuit. Distorsion du contrefort. Beaucoup trop de choses à faire au contrefort. Et après, des légendaires. Ok, je pense que je peux quitter cette zone. Mais je me mets qui avec moi dans mon équipe dans ce cas? Moustillon peut évoluer, pas de suite. Pas de suite, Moustillon, pas de suite. Pas de suite. Brindibou, il a utilisé feuillage. On va pouvoir changer d'attaque. Il a presque fini le style rapide. Tant mieux. Et Moustillon, il faut qu'il fasse encore de l'aquagé et encore du rapide. Ouais. Et Evoli, il veut pas évoluer? Toujours pas. Eh bien, on va changer de zone. Toutes les évolutions n'ont pas compté là-dedans, c'est dommage. Ah si, peut-être. Si, si, ça a compté. Ah, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Direction le verger. On va récupérer la commande. Ah, c'est peut-être pas prêt. Ouais, c'est pas prêt. On va aller voir au dojo. La madame devant là. Bonjour madame. Je peux obtenir des objets. J'ai besoin d'une griffe rasoir. Gros rasoir. Ah c'est. Griffe rasoir c'est là. J'ai plein de points. Attendez, j'ai plein de points. Donc ça je m'en fiche. J'ai plein de points. Si j'ai besoin d'une griffe rasoir, j'en ai acheté une. Pierre ovale, j'en ai vu que j'en avais. Toutes les pierres, je crois que j'en ai. Gros rasoir. Protecteur. Électriseur. Magmariseur. Améliorateur. Le câble. Et le CD douteux. CD douteux. Qui c'est qui avait besoin d'un CD douteux? Je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Porygon, c'est Porygon. Je m'en souviens. C'est ça, hein, Porygon. Mince, il est où, Porygon? Punaise, il est où? Porygon en utilisant un CD douteux. Bon, mais ça, c'est. Porygon, on s'en occupe de suite. Porygon, on s'en occupe de suite. Griffe rasoir. C'était. Farfure machin. Qui était dans quel. Il est où? Dimoré, griffe rasoir, la nuit. Ok, la nuit. Je peux pas mettre la nuit hein, quand je veux ici. Je peux pas gérer. Où est-ce que je gère mes Pokémon ici? Ah oui, pardon, j'ai rien dit. Je peux pas du rage. Faut réfléchir des fois. Je voudrais récupérer Porygon. Où est-ce qu'il est?
Où est Porygon? Aveugle. Où sont les porygons? Bah quand même. Ah il y a. Porygon. Allez, porygon, on lui donne le CD douteux. Comme ça, il évolue. Madame, je te redonne Porygon. Et je veux récupérer parfum machin. Qui est ce? C'est tellement le bordel là-dedans. Faudrait pouvoir les classer. Ah, il est là. Parfuré. Voilà. Evoli. Non, Evoli, il a pas envie. On va aller à la plaine. On va essayer d'avoir des abras à la plaine, ça sera fait. Je peux mettre la nuit au village? Sérieux? Comment on fait? Je ne savais pas comment on fait. Ou alors je le sais mais je m'en souviens. Si, bah oui, dans la maison. Chez nous. Logique, c'est ça. Hein. Allez, farfuré. Pas apte. Pardon, pourquoi pas apte? Dimoré, évolution de farfuré en utilisant une griffe rasoir la nuit. Griffe rasoir sur farfuré. Pourquoi il est pas apte? Le logis, ouais. Il fait pas assez nuit? Pardon, mais pourquoi t'es pas apte? Évolution de farfuré. Farfuré. Peut-être avec un farfuré normal. Pourquoi il est pas normal ce farfuré? Farfuré forme de Johto. Oh punaise. Que dans les disfailles spatio-temporelles. Mais ouais, bah alors là, pour l'avoir, celui-là, pour l'attraper, bonjour, quoi. Bon, ben, retourne au bercail, hein, écoute. Farfuré. J'en ai vu dans les failles, en plus, quoi. C'est le seul qu'il y a dans le stock, là. Un chat bizarre, quand même. J'en ai vraiment pas d'autres. Non. Bon. Ben on va aller dire bonjour à Abra s'ils veulent bien. Et ça peut être dans n'importe quelle faille, c'est ça? Joli, hein, quand même.
distorsion dans... Ou alors faut que je trouve directement les dimorés dans les, la distorsion de la plaine. Eh ben... Mais il faut les faire pop les failles quoi, c'est pas simple. Bon, où sont les abras? Mais attends, peut-être que les abras dorment là, je pense. Vu que j'ai mis la nuit, c'est du complexe. Ouais, les abras ils doivent dormir. Non, ils dorment pas. J'en ai vu un. Mais il s'est barré. Ouais, bah alors pour l'attraper, bonjour. Voilà. Voilà, il s'est barré. Génial, hein. Je sais vraiment pas comment attraper les abras. Vraiment pas. Y a pas une solution sur les abras? Stop, j'ai vu un truc se TP. Je sais pas où. Punaise! Je les déteste. Faut vraiment que tu apprennes le mode discret. Sauvage. Va. Bah, j'étais en vol. J'étais en vol, il m'a pas vu quand même. J'étais en vol à 3 km, comment il fait pour me voir? Les abras, c'est Daredevil en fait. Il entend tout à 3 km. Ah. J'ai vu un truc de TP. J'ai vu un truc de TP. Oui, il est sous mes pieds. Voilà, j'ai juste mis les pieds au sol. Je me suis encore plus éloigné et il se barre. Les montures, c'est ce qui fait le plus de bruit. Mais je suis en vol. Je vois. Mais il était encore plus loin. Il y a deux abras. Sérieusement. Vol ou pas, t'es bruyant. C'est pas vrai, je suis pas bruyant. Il m'a pas vu. J'ai rien fait, j'ai juste sorti la main du sac. C'est un coup de chance là, il a pop devant moi. Voilà, allez, au revoir Abra, on se casse, il m'a énervé. Ah non, il me faut une faille. Je te donne une faille ici. TP sous... Les abras sous TP sans... Non. Oui, oui. Ça oui, mais après faut les retrouver quand même. Abra c'est fait. Au revoir Abra. Mais par contre là, j'ai besoin d'une faille... ici. Pour avoir un dimoré. Comment avoir une faille dans cette zone? Elles sont tellement random les failles. Je vais aller chercher les colis, tiens. C'est bien de pouvoir faire pop les failles pour souvent trouver un système pour faire pop les failles. Ah, c'est un fichu. Hein. Alors le colis sur ma gauche, c'est par là. Ah je le vois. Quoi ça? Je le vois. Non, descends. Ok.
beaucoup plus lourd. Yes, non, par contre, vraiment, vraie question. Hein. Il y a un système pour faire pop les failles plus souvent. En vrai. Une technique pour les failles. Oh, bah alors, j'en ai entendu une, mais je crois vraiment pas à la technique que j'ai entendue. Enfin, que j'ai lu, pardon. J'y crois vraiment pas. Et en plus, elle est super. Elle est pas optique. Hop là, j'attrape le colis et je dis ça. Hop là. Point colis, c'est fait. Alors, la technique que j'ai entendue, mais j'y crois vraiment pas, c'est de se poser dans un endroit calme et d'appuyer sur aucun bouton, mais vraiment aucun bouton, pendant 10 à 15 minutes, et le jeu va dire, tiens, le joueur est inactif, je vais lui donner une faille. Mais le truc, c'est qu'il faut attendre 10 à 15 minutes sans rien faire en jeu. C'est vraiment pas, ça optique. Et ça me paraît vraiment bizarre qu'il y aurait un script en mode le joueur est AFK, on va lui donner une faille. C'est pas une logique Game Freak. Donc cette technique là, j'y crois pas trop. D'accord, quand je suis en vol, tu peux pas me donner l'accès. On va aller farm les Conotors pour la mission et machin. Allez, Evoli, tu veux pas évoluer? Non, très bien. Abrai, il va rester là tranquillement. Brindibou, on avait dit que c'était bon sur le style rapide, hein, c'est ça. Et feuillage, c'est fait rapide, ah non, c'est pas fini. Mais il va pouvoir passer à atterrissage aéropique. Atterrissage aéropique. Et toi, t'as encore des aquadjets en rapide. Okay. Atterrissage aéropique. 10 à 15 minutes, c'est normal d'avoir une faille. C'est quasi un temps normal de farm. Et encore, moi, je dirais toutes les 30 minutes, il y a une faille. Mais ça arrive qu'il y en ait une directe à l'entrée dans une zone, c'est fake non plus. Oui, voilà, on est d'accord, on est complètement d'accord. Je dis rapide. Le feuillage, je les avais terminés. J'ai besoin de faire du rapide. Rapide.
Ah, évolue peut évoluer. On est en plein jour. Est-ce qu'on est en plein jour? J'ai un doute. On va aller au camp mettre le midi dans le doute. Dans le doute. Mais avant ça, Brindibou, rapide, c'est fait, feuillage, c'est fait. Il va pouvoir passer sur les atterrissages et les aéropiques en puissant. Et Moustillon, ça serait bien qu'il finisse les aquajets quand même. Hein. On va finir les aquajets de Moustillon. 3 aquajets de Moustillon. En rapide. 3 aquajets de Moustillon. Dernier. Double combat, peut-être. Non, sérieux. Ils étaient deux côte à côte, ils m'en mettent qu'un seul. D'accord. Très bien. Aquajet, c'est fait. Il me manque du style rapide. Vibraqua tranche. Vibraqua tranche. Et lui, c'est atterrissage aéropique. Vibraqua tranche, atterrissage aéropique. Non, je vais pas faire évoluer. Vibraqua tranche. Il a pas encore tranche. D'accord. Et toi, atterrissage aéropique, tu l'as pas non plus. Ok. Bon, direction le campement. Je veux être sûr de pas me tromper sur Evoli. Mais vraiment, je veux être sûr. Donc, dans le doute, jusqu'à midi, on sera en plein jour. Hop là. Voilà, là on est sur une belle journée. Là. Evoli, on vérifie la gestion des capacités. Il n'y a pas de type fée. On quitte. Evoli, je t'autorise à évoluer. Et voilà Mentalim. Comme ça, j'ai toutes les évolutions. On est bon. Donc maintenant, gestion des Pokémon. Voir mes Pokémon. On enlève Mentali déplacé. Et on va le mettre dans le Mentali. Ici, c'était là. C'est un peu le bordel ici. Hein. Gravalanche, il dégage. Il y a un trou quelque part, je le sais. Ici. Abra, il dégage. J'ai besoin de qui du petit singe. Singe de feu, il est où? Singe de feu, où es-tu, singe de feu? Je suis aveugle. Singe de feu. Ah, il est là. Déplacé. Ici. Et à la limite, lui, il évoluera tout seul parce que je sais à peu près où en trouver. Il n'y a pas besoin d'attendre spécifiquement une faille. Donc je le ferai évoluer dès que possible. Et après, il y a cette histoire de poisson, là. Sérieusement. Comment on sait que c'est un motif blanc? Ça, je sais pas. Il y a un autre singe de feu, là. Même niveau 12. Bah tiens, parfait. Motif blanc. Ça, je sèche quand même beaucoup. C'est un motif blanc, ça?
motif blanc, si. Et le deuxième? Parce que j'en avais un deuxième quelque part. Je suis aveugle. C'est dommage qu'on puisse pas classer comme on veut, hein, les pâturages. J'en avais qu'un? Mais non, il y en avait deux tout à l'heure. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça, en vrai. Je sais pas. Bon, dans les plaines, j'ai juste à chercher des distorsions, hein, et faire évoluer Wistikram et faire des capacités sur Moustillon et Brindibou. Brindibou, c'est que du puissant. Que du puissant. Moustillon, il a encore du rapide à faire. On va mettre Moustillon en rapide. On va finir les rapides avec Moustillon, tant pis. Non, pas charge. Il est où le 3 août? Ah, il est là. Non, l'élixir contre Moustillon, on va éviter. Mais genre oui, on va beaucoup éviter. Vibra quoi, 7 sur 15 et après ce sera tranche. Par contre il veut pas améliorer ses capacités, sa capacité vibra quoi, j'ai l'impression.
là, j'ai vu un Evoli. Bonjour. J'ai vu que un peu plus tôt, vous pouvez le capturer énormément d'Evoli. Voilà, toi j'ai coupé avec ça. Voilà. Un Clonotaur qui est caché dans les hautes herbes. On voit pas. Magnifique combat. On va rien voir. Regardez-moi. Voilà. On a rien vu. On a juste vu les herbes bouger. Normalement on est à 15. 15 vibra quoi pour Moustillon. 15 aquajet. Il manque que tranche. Il manque du puissant et du rapide. Il manque que tranche. Mais tranche. Tranche quoi, sérieux. Pourquoi il a pas tranche? Pourquoi est-ce que mon Moustillon n'a pas tranche? Bizarre. En rapide, j'ai dit combien? 8. On est à 8 rapides sur le. Oh punaise, il m'a brûlé. Allez, on est à 11. Ouais, 12, c'est que 3. Je vais peut-être mettre une petite potion quand même sur le Moustillon, on sait jamais. Petite potion. 12, on a. Alors, galopa, non. Galopa en 2. Sérieux, il s'est barré. D'accord.
Normalement là ça fait bien. Non, il m'en manque un. J'ai mal compté. Il m'en manque un. Mime Junior. C'est un peu perdu lui. Donc 15 vivra quoi, 15 rapides sa fille. Il me manque tranche en puissance sur Moustillon, mais j'ai pas tranche. Je ne l'ai pas du tout. Et Brindibou, il me manque atterrissage aéropique et puissant. Ok. Il manque que tranche. On va faire du puissant au pire. Ça a pu permettre de farmer un peu le rapide. Ça, c'est... Le puissant pardon. Attendez, atterrissage c'est quoi? D'accord, intéressant. Ben go en fait. On va enchaîner comme ça l'atterrissage. Des herbes, voilà. Ça, on n'y échappe pas. Attention, les skills de soins ne marchent que si t'as perdu. Oui, t'inquiète, j'ai lu, j'ai lu. Ah, mais ça dépense des PP par contre. Ok. Ça fonctionne pas, ça dépense des PP. Donc là, combien? Rendez-vous. Atterrissage 6. Sur un combat, je suis à 6. C'est pas mal. On va rentrer au campement. Quand t'as PV max, c'est un PP pour 0 touch. C'est dommage ça. C'est dommage. Thank you.
attaque moi en premier. Bon, c'est pas grave, je vais cramer ça comme ça. Allez, empoisonne-moi. Non, il veut pas. Non, les deux s'observent, sérieux. Non mais attaque-moi, je suis une hypote en fait. Quand même. Ah, il m'a empoisonné. Voilà, là ça devient intéressant. Voilà. Comment fermer facilement l'atterrissage? Oh, il m'en manque un atterrissage. Dommage. Il manque beaucoup de puissants par contre. Et toujours pas l'aéropique. Bon. Et moustillon. 15 vibrations. Il manque toujours tranche. Il me faut faire du puissant avec moustillon. Là, en attendant, je peux farmer le puissant avec moustillon. Les baudrives, à la limite. Et maintenant il pleut, bravo. Bon, puissant, il m'en manque 15 avec motion. Et toujours tranche, mais tranche. Voilà, je sais pas quoi dire. C'est toi qui m'a aggro. Thank you.
Ah, il manque. Je suis à 36 sur 40 sur les beaux dribbles. Les pauvres. Puissant, il m'en manque 2. Que tranche, mais tranche m'embête beaucoup. Tranche m'embête beaucoup. Et toi, un atterrissage et plein de puissance pour Brindibou. Direction le campement. Merde, il manque trop de TP. Il y a toujours pas de faille hein, là, par contre. Hein, ça fait un moment. Hein. C'est pas normal ça. Ou alors c'est parce que j'ai refermé la faille qu'il n'y a plus de faille. Au secours. C'est pas impossible en vrai. Atterrissage. Okay. Il n'y a que Brindibou là, puissant et atterrissage. Ah oui, attaque-moi. Non, il veut pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas mater. Dommage. Un évoli. Attaquer les
manque 6 puissants. 6 puissants. 6 puissants et toujours tranche avec toi. Mais alors toi, tu m'embêtes. Hein. Pourquoi d'ailleurs, attendez. Moussillon est 20. Ah, Brindibou est 16. D'accord, il y a quand même une différence de niveau. D'accord. Peut-être pas eux avec Brindibou, non. Peut-être pas. On va retourner plus vers vers le campement. Voilà. Fini poète-poète, ça m'intéresse déjà plus. Je me heal quand même. Il manque 3 puissants. Jorgen Wera of Sakina. Punaise, ça fait longtemps, dis donc. Qu'est-ce que tu deviens? Un bon moment. Qu'est-ce qui devient le Jorgen? Même avec des années en plus. Ah bah ça, là, les années, elles sont passées, oui. Ça, c'est clair. Ça. On en est là. Là, pour info, sur le jeu, je suis en train de farmer juste des trucs pas intéressants pour ensuite aller terminer le Pokédex. Et après, il y aura le combat final. Je suis obligé de terminer d'abord le Pokédex. Ils ont réussi à faire en sorte de faire ça, le Pokédex. Affreux, mais en même temps, ça fait énormément de durée de vie au jeu. Tu deviens quoi? Bah, toujours sur Ivasson Studio. Là... Il y a la chaîne Twitch, il y a du stream, mais on fait pas que ça, évidemment. L'assaut est toujours active, il n'y a aucun problème à ça. J'ai bougé, je suis plus sur Toulouse. Je suis à côté de Toulouse. À une cinquantaine de kilomètres, mais j'ai bougé. Ton micro, on entend... Oui, mais je sais, c'est parce que je parle doucement, je suis un peu fatigué, c'est pour ça, mais on m'entend mieux quand je suis comme ça. Je me rapproche, je fais un effort. Voilà. Mais il faudrait que je règle des soucis sur le micro. Je sais qu'il y a des réglages que j'ai mal fait. Donc bon, point d'exclamation, il va sans. Merci, Vodios. Merci. Et toi, le Jorgen, qu'est-ce qui te vient? Bon, normalement, le style puissant, j'ai quasi terminé. Pas mal, tu bosses pour ta radio alors? Non, c'est pas une radio, c'est une association. On fait du contenu radio, parce que la web radio, ça fait très 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 longtemps qu'elle n'existe plus en fait, depuis même avant la fin d'Ivalice. Hein. On collabore avec des radios locales et associatives et régionales et tout ça. On propose du contenu radio, on a notre propre contenu radio en effet, mais on n'a pas notre radio. Notre média, c'est Twitch, c'est la chaîne Twitch où il y a du stream, où on peut proposer autre chose que du jeu vidéo.
Voilà. Mais après, on fait aussi des ateliers d'initiation à la radio pour reprendre confiance en soi autour de l'outil de la voix et de la radio. Hein. La radio, c'est qu'une excuse ludique en vrai. De la remobilisation sociale et socio-professionnelle auprès de jeunes qui sont vraiment. Qui n'arrivent plus à retrouver un taf, on va dire ça comme ça. Qui sont éloignés des systèmes de formation aussi. Et toujours autour de l'outil radio, par contre. Toujours. Donc la radio, c'est l'excuse ludique pour faire social. On va dire ça comme ça. Et du socio-professionnel. C'est un énorme résumé, hein, mais il y a plus de détails sur le site. Et pour le stream jeu vidéo, par plaisir, pour essayer d'avoir un peu d'audience, évidemment. Même si c'est clairement, on mise pas sur ça, mais... Le jeu vidéo, ça reste la grande passion, de toute façon. Et on commence, et je commence à faire du social et du socio-professionnel avec l'outil jeu vidéo. Et ça, c'est super chouette. J'ai encore quelques... Il faut que je me rôde encore un peu, mais franchement, c'est super intéressant. Toi, tu serais choqué. Tu bosses ça à côté. Bah, c'est mon. J'en gagne pas grand chose, mais je considère que c'est mon travail, oui. Je considère que c'est mon travail. Parce que les ateliers, c'est avant. Enfin, c'est pas juste de faire des ateliers, c'est énormément de préparation, c'est énormément de réunions, c'est du démarchage, c'est de l'administratif, un peu de com, beaucoup de bilans, des réunions avec des collectivités, des réunions avec des politiques, au secours. Je veux juste me faire ça, au secours. Mais voilà, donc c'est quand même. Beaucoup de choses. C'est déjà un ministre, pas le temps de bosser, j'avoue. Faut faire ce qu'on aime, exactement. Je me vois plus du tout faire un taf en mode robot. J'ai déjà fait du ménage industriel, j'ai déjà fait de la mise en rayon, j'ai déjà bossé en restauration. J'ai déjà fait du porte-à-porte dégueulasse en mode commercial. Voilà. Tous les tafs que... Voilà, j'ai besoin de mettre de l'humain. J'ai besoin de mettre des valeurs, sinon je peux plus. Le système bosser comme un robot, je peux plus. T'as créé ton entreprise ? Cool ! Ça, c'est une bonne chose. Je me souviens que t'avais le projet à l'époque, il y a très longtemps, t'avais ce projet-là, et maintenant que c'est concret, franchement, félicitations, quoi. Le petit Jorgen... Ouais, bah ouais, mais c'est une super évolution, bravo. Franchement, bravo. Bon, Brindibou. Il a fini le puissant, il a fini l'atterrissage, il manque que des aéropiques. Il manque que des aéropiques que je n'ai pas. Et Moustillon, il manque que de l'étrange que je n'ai pas. Et il n'y a toujours pas de faille spatio-temporelle, au secours, de distorsion. Bon, on rentre au camp. Je récupère le heal, les pépés, tout ça, et on passe en ville. Voir. Oh ! Hop, hop, hop ! Demi-tour ! Elle est où ? À l'autre bout du monde. Bah, je vais quand même me heal. Il y a une faille qui s'ouvre. Merci. Bah de rien, c'est sincère. Il y a une faille qui s'ouvre. Punaise. Let's go. 2 heures de jeu pour qu'une faille s'ouvre. On fonce. Elle est pas encore ouverte, t'inquiète. Ouais, mais franchement, c'est depuis le temps que je la voulais, ça là. C'est la faille où il me faut un dimoré, par contre. Il me faut vraiment un dimoré. Ou attraper une évolution de Brindibou et Moustillon, ça serait bien aussi. Par contre, si j'attrape un Porygon Z, j'aurai un peu les boules. Hein. Porygon 2 vient d'évoluer, ça m'embête un peu. Elle est un peu loin la faille en vrai, ça fait un peu de temps de vol, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Deux heures et demie de stream pour qu'une faille s'ouvre. Pourquoi tu accélères jamais? C'est le mode croisière dans ta... Mais non, mais si j'accélère, ça me fait... Je tombe, en fait. Je perds de la hauteur. Bon, là, pour le coup, oui, c'est intéressant. Hop là, on descend. Allez, ouvre-toi, la faille. Ouvre-toi. Il faut qu'on ait les bons Pokémon dans la faille. J'aime bien l'idée du Air Jake. Ouais, j'avoue. J'aime bien aussi. Oh, jolie bête. Regardez qui y a. C'est bon, c'est ouvert. Il m'a vu ou pas? Il m'a vu. Je veux pas l'attraper.
Je veux pas le combattre, pardon. Je veux l'attraper, je veux pas le combattre. Ah, il y a un baron à la Kazam en plus. C'est génial. C'est comme si j'avais besoin de ça. Aïe! Bon, d'accord, t'as gagné. T'as gagné. Niveau 19. Voilà. On va faire le baron à la Kazam, comme ça j'aurai la... la faille clean. Niveau 60. Ah ouais, quand même. Quand même. Il y a un grondement avant l'ouverture et la fermeture. J'ai pas fait gaffe. Je crois par contre que quand on ramasse l'intégralité des items dans la faille se ferme. Allez, de l'XP de partout là. De l'XP de partout. Cool. Par contre, je vais avoir besoin de me heal. Là, ce sera pas drôle sinon. Et Wissikram peut évoluer. Wissikram, j'avais dit que je pouvais aller en chercher. Donc on va le faire évoluer de suite. Ça sera fait. Ça fera un truc en plus dans le Pokédex. Je vis toujours tous les items et j'ai un temps normal de fly. Ah d'accord, ok. C'est une coïncidence pour moi alors. Allez, ça c'est fait. Et vous deux là, vous m'embêtez, hein. Vous avez pas les capacités que je veux. Ils les ont pas, ils ont pas les capacités quoi. Comment ça se fait? Feuille magique. Oui, bien sûr. Cannabis aussi, quoi. C'est pas du tout les capacités que je veux. Bon, allez, la faille. Je vais mettre là, je me cache là. Montrez-vous, Lady Moré. Ça va pas, ça veut pas. Ça ne veut pas. Ah, il y a un lion électrique. C'est qui m'a aggro? À toi. Allez, va t'en bas. Quand tu veux la faille. En face, on voit du Abra, du Kadabra. Faut peut-être que je sorte et que je rentre de la faille. Non, il y a un lion qui va m'avoir. Hop là. Hop là. C'est bien en hauteur en fait. Elle met longtemps à s'activer en fait. Bon, il y a plein de Luxio, de Luxray. Ouf, j'ai failli me tordre la cheville. Bah punaise. La faille fait grève, ça y est.
Ouais, la faille fait grève. C'est RP le temps d'ouverture. Ah bah il faut brancher les fusibles, faut allumer le disjoncteur. Bon, vu que ça fait déjà un bon 2h30 que je stream, je pense pas que j'irai faire les combats finaux aujourd'hui en vrai. Donc je vais me consacrer vraiment sur le Pokédex aujourd'hui. On a encore une petite heure là. Je suis à 219 sur le Pokédex en vrai, il me manque pas grand chose hein. Il ne me manque pas grand chose. Bon allez la faille. J'ai l'impression que c'est le Dôme qu'on peut voir dans le Seigneur des Anneaux ou bien dans la série Under the Dome. Oh mais j'ai pas vu, regardez là-haut. Ça fait une mini faille, c'est rigolo. Ah c'est bon. Alors, qu'avons-nous là? Je vois rien. Je vois rien du tout. À part des items, là, je vois rien. Aïe. Morceau d'étoile. On m'a aggro, hein, mais je sais pas ce qui m'a aggro encore. Pokémon piscine apparemment. Alors un excellent Ganounours, un Onyx. Excellent qui fait. Là on a une fleur, c'est pas intéressant. Mais c'est pas les Pokémon que je veux. Ah! Toi oui! Toi oui par contre. Alors, objet. Pokéball, hyperball. Si je peux t'avoir comme ça. Allez, s'il te plaît. T'es gentil. Je veux rentrer dans mon équipe. Non, il a pas envie. Attaque-moi alors. Le truc, c'est que je vais te faire mal là, si tu t'attaques. Attendez, on va faire plutôt comme ça. J'y arrivé, oui. Allez, s'il te plaît. C'est pas grave, j'ai plein d'hyperboles, hein, tu sais. Ah ça c'est pas cool par contre. Je vais lui faire mal si je l'attaque. J'ai peur de le mettre KO. Ça c'est fait. Bon, c'est pas un Dimoré. Mais c'est pas mal. En plus, c'est un poids plume. Ramasse les petits items. Salut. Evoli. Excellent. Ça m'intéresse pas. D'autres items par terre là? Ouais, ici. Alors, Evoli, Excellang et son évolution, ça ne m'intéresse pas. Un autre torturé. Torturé de nouveau. C'est quoi? Oh, c'est quoi là-bas? Non, c'est un Quatox. Ça m'intéresse pas. Territoire. Un ours. Un forfuré qui dort. Punaise, mais laissez-moi attraper ce que je veux. Trop tard. Je suis empoisonné, moi. Ah ouais, à ce point.
On se casse. On s'abrite. J'ai vu un spectrum, je crois. C'est un spectrum, ça? Ouais, c'est un spectrum. Hop. Il y a des systèmes partout. C'est bon, je suis presque heal. Pauvre petit humain. Non, cassez-vous. Pas les Pokémon que je veux. Montrez-vous. J'ai entendu un bruit. Voilà, on va lui couper. Allez, arrête de cibler n'importe quoi. Punaise. C'est quoi ça? Un chat. Ça se TP de partout. Il y a des items là. Spectrum. La faille qui se... Y'a plus de faille. Y'a plus de faille. Je suis dégoûté. Bon, j'ai quand même le Pokémon que je voulais. Enfin, presque. J'ai presque le Pokémon que je voulais. Donc, je vais... ici. Et on va passer... je sais pas où. Faut que je heal... Typhlosion. Hop là. Dans mon équipe, j'ai pas ce qu'il faut. Voir mes Pokémon. Alors. Les derniers attrapés. Ah, ils sont allés combler des trous. Punaise. Où est-ce qu'il est, le Farfuré dont j'ai besoin? Je vois pas. Je ne le vois pas. Je suis aveugle. Je suis complètement aveugle. Il y a trop de Pokémon. C'est pas classé. Ah, il est là. Déplacé. Je suis un peu en feu. Au revoir. Est-ce qu'on est en pleine nuit? Ouais, vite fait, hein. C'est la nuit, vite fait. Hein. Ok. Est-ce que j'ai l'item avec moi? Oui. Utiliser sur Farfuré. Nouvelle évolution. Et voilà, le Dimoré. Ok. Donc Dimoré, tu peux retourner dans le pâturage. Je vais te mettre là où il y a de la place. En termes d'évolution de Pokédex, je suis paumé, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Bon, il y a les deux starters. Il y a le Cerebou, donc contrefort. Contrefort, Cerebou, faudra aller le chercher. Petit arbre, c'est au contrefort.
Il y a Tiplouf. Faut que je fasse évoluer Tiplouf. Donc faut que je mette Tiplouf dans mon équipe. Tiplouf dans l'équipe. On retient Tiplouf dans l'équipe. Ça, bon, on fait ce qu'on peut. Tiplouf dans l'équipe. E2, c'est dans des failles. Tiplouf dans l'équipe. Attendez, Magnéti, Magnéton, j'ai dit. Ils sont en 177. Ils sont sur la côte. C'est dans des distorsions sur la côte. Greek Note 87, 187. C'est dans le truc de glace. Ça, c'est contrefort. Ça, c'est contrefort. Oh punaise, il y a ceux-là aussi. De 208 à 211. 208. Contrefort, contrefort, contrefort. Ok. Et après, c'est les légendaires. Donc, beaucoup de choses à faire au contrefort. Je vais aller chercher un Greek Note vite fait, je pense, dans les terres glacées. Comme ça, je peux aller le faire évoluer. Enfin, je pense. C'est juste une évolution classique, on est d'accord. C'est le 187. Voilà, une évolution classique, très bien. Et après, ouais, Tiplouf. Faut que je mette Tiplouf dans l'équipe. Et normalement, j'aurai personne d'autre à mettre dans l'équipe, je pense. Tiplouf, où es-tu? Tu dois être dans les premières pages, je pense. Ou pas. Tiplouf, Tiplouf. Un pingouin maladroit quand même, ça se voit. En plus des Pokémon bleus, il y a des Pokémon bleus, il y a quasiment que ça. Je suis aveugle, je suis vraiment aveugle. Ah, il est là. C'est bon. Tiplouf. Et des Tiplouf, on peut en capturer, hein. C'est comme les Torticousses, donc c'est pas un problème. Donc là, pour les tâches du Tiplouf, je m'en fiche. C'est tout ? Sérieusement, c'est tout ? Ah bah, je suis pas prêt d'avoir mon niveau 9, moi. Oh là là. Bon, alors, soit je vais au contrefort farmer, soit je vais à la côte chercher des distorsions magnétis-magnétons avec les poissons qu'il me faut. Soit je... Ah oui, je vais d'abord, peut-être, alors chercher les ce que j'ai commandé. Et on va au Terre d'Immacu. Ah bah, c'est pas, ça a pas fini de pousser. Ah, ça c'est plus loin à pousser, ça. J'y pense à un petit détail, là. Mais la petite maison... Bon, elle est allumée. Il n'y a plus le gardien. Je peux rentrer dedans. Ah non. Ah non, je peux pas. Faudra voir en plein jour. Faudra y penser. Parce que c'est un bâtiment qui était bien gardé quand même. Allez, direction... Oh putain, des moustiques. Direction les terres immaculées. On va chercher un petit Greek Note. Faut en capturer un. Greek Note plutôt dans des grottes peut-être. Allô là, à toi aussi. J'irai dans des grottes. Pas sûr de moi en vrai. Là il y a des grelassons.
suis vraiment pas sûr de moi. Spectrum. Fantominus. Ils sont partout, ouais, les Spectrum et les Fantominus. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des Grignotes? Est-ce que c'est une zone particulière ou pas? Falaise, cascade, grotte des égarés, pente de l'avalanche. Pente de l'avalanche. Il y en avait au contrefort. C'est ça. Hein. Pente de l'avalanche, falaise, cascade, grotte des égarés. Oh punaise, il y en avait au contrefort. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va à la pente de l'avalanche. Sinon, les autres. Pente de l'avalanche aussi. Garmash. Farfurex, allô? Il a pas répondu à l'appel, hein. C'est ici. Et encore plus tout droit. On peut passer par là ou pas? Ouais, vite fait. Ouais, là je sors du truc, c'est plus de ce côté. Pente de l'avalanche, bien. Alors il y avait deux colliers au passage. Par là. Je vois pas. Oh punaise, s'il est dans la grotte, le colis, c'est pas cool. Il est derrière moi. Je suis igle. Ah non, je le vois. Il y en avait un autre. J'ai vu quelque chose qui m'intéresse. 100 passer par le Grignote. Ah vas-y, va te nourrir. Va te nourrir. Allez, cours. Non! Il m'a vu. Je vais y arriver, peut-être. Nul. Et l'autre qui était par là, il est où? Non! C'est le Grignote, il m'a bougé. Le Grignote, il m'a... J'ai eu un message comme quoi l'aire de pâturage va être pleine? C'est possible? Oh. Bah c'est bon à savoir, tu vois. Allez, croisez les doigts. Yes, Karmash. Bon ben, je suis super content. J'aurais pas besoin d'attraper les Grignotes, mais juste... Ah, il m'a vu! Juste pour dire j'ai attrapé un Grignote, j'ai attrapé un Grignote. Il me voit de méga loin.
pas sauter. Mais quel nul. Sérieusement. Je suis caché. Non mais je suis caché en fait. Allez, 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 allez. Tu me vois plus. Tu ne me vois plus. Non. Non, non, tu me vois pas. Tu ne me vois pas. Il m'a vu. Il veut pas. Il veut pas lâcher l'affaire. Il veut pas lâcher l'affaire. Je reviens, excusez-moi. Je reviens. Je reviens. Un jour, je penserai à dire aux voisins, gardez vos clés. Punaise. Re, désolé. Greek Note, hein, c'est ça. On va s'éloigner un peu. Arrête de bouger. Allez, ça passe. Yes, c'est bon. Greek Note, c'est fait. Bah. Mon personnage qui regarde la neige comme dire « Oh mon dieu, c'est beau des flocons !» Ok. Il neige jamais dans Pokémon ou quoi? Bon. On part de les contreforts. J'ai le Greek Note et le Pokémon que je voulais. C'est tout, c'est bon. Tiplouf peut évoluer. Oh, bah go, hein. On n'intervient pas. Et voilà. Primplouf. Pingouin d'eau et bizarre en tenue de science-fiction. Voilà. Je vais vérifier mes boîtes. Ça, ça va là-bas. Il y a beaucoup trop de choses dans les... dans mon sac. Pourquoi j'ai une griffe rasoir? J'ai looté une griffe rasoir? Ah, c'est chouette ça. Allez voir. J'avais pas fait gaffe surtout. Ok. Tiplouf, il va rentrer à la maison. Enfin, Primplouf plutôt. Maintenant qu'il a changé de nom.
Bargantua, faut que je le garde. J'ai ces deux-là à gérer. On va passer en ville. Il faut que je passe au maître des capacités. Parce qu'après, là, en vrai, Pokédex, il m'en manque 20. 20 tout court. 20 Pokémon tout court. Et ces 20 tout court. Sur ces 20, en vrai, il y en a 4. C'est lié à Brindibou et Moustillon. Donc il me manque 16 Pokémon. Il m'en manque 16. Disons même qu'il m'en manque 15. Il y a Arceus, donc ça compte pas. Il me manque 15 Pokémon. Il me manque le Seriflore, le Seribou. Ça fait 1 au contrefort. Il manque le Seribou au contrefort. Ça, c'est au contrefort. Ça, c'est à la côte. Ça, c'est à la côte. J'en ai 3 à la côte. Ça, c'est au contrefort. Contrefort. Là, c'est des distorsions au contrefort. Ça fait 8 au contrefort. Ça, c'est des légendaires. Donc, j'ai 8 Pokémon à chercher au contrefort, en fait. Parce que tout ça, je peux pas les gérer pour le moment. Donc, j'ai 8 Pokémon au contrefort. 4 sur moi à faire évoluer. 3 à la côte. On va peut-être aller chercher des Pokémon à la côte d'abord. Retourne au village. Les récoltes, non, ça vous intéresse pas. Ok, la prochaine fois, ça sera bon. Je peux pas y aller du tout ici en fait. Ah si, peut-être. Non. La petite maison, j'y interdis d'accès. On m'y interdit. Direction ici. Le pâturage. Je vais peut-être récupérer quelqu'un dans le roster là. En fait. Et dans mon roster, c'est toi qui as besoin d'XP, Boscara. Je récupère Boscara. Il y a cette histoire de Bargantua blanc, hein, un motif blanc, que je comprends pas. Bon, alors direction la côte. La côte, il me faut des distorsions pour Magnéti, Magnéton. Et. Hop là. Et attraper des Bargantua. J'aurais pu faire le plein de Pokéball, hein, j'y ai pas pensé. Hein. Reste pas beaucoup. Monsieur, tu vends des choses? Je peux pas en confectionner plus. 23. Voilà. Ça me fait combien? 68. Bon, c'est déjà mieux. J'en achèterai plus tard. Est-ce qu'il y a une faille qui va s'ouvrir pas loin? Non, évidemment. Bah, direction l'eau. On va essayer d'attraper ce dont j'ai besoin. Des Bargantua à motif blanc. C'est quoi un Bargantua à motif blanc? T'as bugué toi. C'est
sais pas ce que c'est un truc à motif. En plus, il a pas énormément de vie. 145. Mais comment j'encaisse plein de PV, moi? C'est quoi ça? Fais-moi raid encore. Ça c'est des quill piques. Aïe. Ça c'est une grande raie. Baronne. Finaise. C'est barré, mais c'est une baronne. Pour moi, tous les Bargantuas de Issui sont blancs. J'ai jamais vu les normaux rouges et bleus. Ah! Ça veut dire que le ou les Bargantuas que tu as capturé, tu as pu le faire évoluer en Pantagruel? Enfin, le poisson qui est sur moi, là. C'est ça, hein, c'est... Je relis, mais... Mince, j'ai perdu son numéro. J'ai perdu son numéro de Pokédex. Oui, c'est ça. Paragruel, et pas Pantagruel. Pantagruel, c'est de la littérature. Évolution de Bargantua motif blanc après avoir perdu plein de PV en dégâts de recul sans tomber KO. Comment c'est quoi des PV en dégâts de recul en plus? C'est ça, je comprends pas. Et 294. Le mien, il a 145 PV. Comment c'est possible? Pas encore, mais oui, j'ai que les mêmes blancs. D'accord. C'est quoi? C'est quoi qui m'attaque? Et maintenant, pour trouver les poissons dont j'ai besoin, je vais galérer. Hein. Il y a des zones précises ou pas? Il y a des zones précises. Alors attendez, il y a des zones précises. B, sérénité. En plein milieu. Lac Savoir? Au lac Savoir? D'accord. Plage long des îles, c'est de ce côté. Rocher Esprit. C'est où le Rocher Esprit? C'est pas là. Ou source féerique. Donc en gros, faut que je me balade long des îles ici et ici. D'accord. En fait, il suffit de faire les tâches. Les deux attaques sont à dégâts de recul. Les tâches. C'est un mince. C'est quoi son numéro déjà? 166. Après avoir perdu. Ou alors ça veut dire que c'est pas 293 PV, 14 PV en un coup. C'est peut-être des... Au fur et à mesure. Les PV c'est forcément additionnel. Ah. D'accord. Donc faut que je mette lui au combat quoi. Faut que je mette lui au combat. C'est quoi ses capacités? Morsure, coup de boule, mâchouille, aquatacle. Ça blesse le lanceur. Aquatacle. Faut que je fasse de l'aquatacle. Mais faut le savoir tout ça aussi. Hein. En vrai. Aquatacle, Damoclès. Essayer d'en attraper. Ok. Il n'y a pas beaucoup de PV, mais... Et Caillon ! Au combat ! On va voir, hein.
fait 15. Là, je vais me mettre KO là. À quoi attaque les dames au classé? Alors. Toi, faut que je te soigne. Allez, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Alors, de nouveau la potion. Je sais pas à combien j'en suis, je dirais que je suis à 30 ou 40 PV là, 300. On va dire 300 au lieu de 294, parce que sinon c'est difficile. Allô? Quand même. Alors le baron non hein, on va éviter. À toi. Ouais. Ok, ça va. Direct. Je suis à 10 aquatacles. Mais Damoclès, il n'y a que dalle pour le moment. Parce que j'ai pas Damoclès. Ou alors je suis aveugle. Trop de monde. Bien sûr. Bien sûr, le poisson sur le sable qui casse une caisse. C'est crédible ça, bien sûr. Vas-y, je vais faire le phoque. Monsieur Moustache. J'adore ces moustaches. Ah mince, j'ai plus d'aquatac.
Ah, je me suis trompé. Go Boscara. Faut que j'aille au camp. Je sais même plus quelles sont tes tâches à Boscara au passage. Pour avant de faire un tour carré. J'ai complètement zappé. Je sais pas ce que je regarde dessus. C'est où? Oh punaise, il est où le Boscara? Je ne le vois pas. Ah, ici. Boscara, morsure, lame feuille. Voilà. Mais je voudrais rentrer. Mais je suis en aggro. J'allais dire je voudrais rentrer, mais je suis en aggro. Je sais même pas de qui. M'éloigne comme ça, on verra bien. Ah, ça y est. On rentre ici. Pardonnez-moi, je voudrais me reposer. J'ai un poisson qui n'a plus de pépé. Ah oui, sur le chat, tiens. Allez, go. On va essayer. Ah ouais. Il a pris 30 en recul. Il y avait un autre chat par là. Oh bah, il y a plusieurs chats ici. Prends pas le même contre-coup en fonction des Pokémon, j'ai l'impression. Ok. Alors, petit coup de heal. J'ai pas du tout compté à combien où est-ce que j'en étais. Mais pas du tout. On va essayer lui. Un rapion. Pas mal. Ah, petit contre-coup. Ah, ça y est, il peut évoluer. Mais avant, je le heal. Il peut évoluer. C'est parti. Un gros gros. Un paragruel. Ok. Eh bien, direction le campement. On change le roster. Paragruel, je te déplace. Salut Tortipousse. Et je vais récupérer mon roster à moi. Parce que là, au final, c'est vraiment qu'aller chercher des gens, quoi.
À la Kazam. Kadabra, pardon, t'étais tout en bas. T'étais là. J'aime bien, il faudrait que je récupère l'ordre correctement. Tac. Voilà. Ensuite, ici, il y avait oiseau. Et ici, il y avait lion électrique. La vie perdue est un pourcentage des dégâts infligés. Donc, si tu attaques un seul rush, par exemple, donc x4 aquatac, tu perdras beaucoup plus de vie. D'accord. Ah ouais, mais en fait, là, du coup, les affinités de Pokémon, donc force et faiblesse, ça peut se retourner contre moi, en fait, avec un Pokémon qui réagit comme ça, comme le poisson, là. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, point sur les tâches. 2. Hop là. Brindibou. Je suis pas passé au dojo, changer les choses. Parce que là, oui, va faire des aéropiques, t'en as pas. Et toi, va faire du tranche, t'en as pas. Oh punaise, j'ai rien dit. Toi par contre t'as atterrissage et aéropie. Mais je suis tu les as tout seul? Je suis aveugle, mais c'est pas possible. Tranche, c'est bon, il faut que t'en fasses 15. Aéropique, il faut que t'en fasses 15. D'accord. 15 aéropiques, 15 tranches. On va aller voir les Pokémon de feu. Les Goopix. Ouais, c'était ici que j'avais vu les Caninos, la place des Goopix. Oula, il y a un chaffreux vénère. Des chats partout. Caninos. Hop là. Alors. T'es gentil Caninos, tu te casses. C'est quoi qui fait tranche qu'il faut que je fasse? Très bien. Au revoir Moustillon, punaise. Oui, je sais, Brindibou, ouais, t'as dit. Aéropique. Voilà. Bon, c'était juste pour montrer le canon. Petit rappel sur Moustillon. Petite potion sur Moustillon. Non, je dis Moustillon. Il est feu roche ici, Caninos. Oui, je sais. Oui. Non mais sérieux, le cas là. Vous allez pas m'envoyer d'aller dans les plaines, refarmer quand même. D'accord. Je crois que j'ai été aggro deux fois. Oui.
Le chat il s'est barré. Le chat il s'est... D'accord. Il a l'avantage mais il se barre. Alors, je suis à 6 sur 15. Allez, je vais me dire que je termine les tâches de ces deux Pokémon aujourd'hui. Pas de leur évolution, juste des deux. Une boîte de pâturage. D'accord. Il te reste 3 slots pour faire du ménage. Pardon ? Ça passe. Alors non, ça non par contre. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Mal mon mission. C'est vraiment un sauvage, tu fais même pas les tâches de capture. Juste fait l'aigle qui fonce sur la mangouste, le renard là. Quoi ? Tu fais pas les tâches de capture. J'ai pas compris. Enfin, que je fasse pas les tâches de capture, non, mon objectif... Enfin, je ferai pas toutes les tâches de Pokédex, mais encore moins en live, mais je les ferai pas toutes, non. Là, je fais juste les tâches de Moustillon et Brindibou, parce que je sais que ces starters-là, on peut les avoir que dans les failles, et qu'ils sont extrêmement rares, donc autant faire les tâches au possible avec eux pour les faire évoluer. Mais sur Goopix, y a des Goopix là, non, j'ai pas besoin de faire les tâches. Surtout que je dois faire tranche sur le moustillon quoi. Par contre, aigle qui fonce sur la mangouste, j'ai pas compris. Ça j'ai vraiment pas compris. Thank you.
C'est rien. Non mais c'est une image. Je sais que t'as voulu utiliser une image, mais je la cherche là et... Je cherche l'image. Ça qu'il y a devant moi, non, c'est du miel. Alors, le petit rappel, voilà. Bon, on en est où là? Il manque deux tranches avec moustillon. Mais ils ont... Je pense que les chats, ils ont peur de mon moustillon. Hein. Là, il y a un truc qui bouge. Chenille. Ah d'accord. Ok. Allez, c'était le dernier tranche. On va le faire évoluer. Enfin, d'abord faudra le reste et après le faire évoluer. Est-ce qu'on peut faire évoluer un Pokémon qui est KO? En vrai. Il est KO, mais je peux le faire évoluer, sérieusement. Alors attendez, point Pokédex. Moustillon. Faudra juste que j'en attrape et je dois le faire évoluer. Et tranche, c'est bon, donc je peux faire évoluer Moustillon. Allez Moustillon, je te fais évoluer même si t'es KO. Ça, c'est rigolo quand même. Là, peut-être 8700 de la 10ème étoile. Oh punaise, GG! Oh, il est trop mignon! Maté l'outre! Oh, il est trop mignon! J'aime beaucoup. Il est mignon. Bon, il est quand même KO, mais il est mignon. Maté l'outre, il va falloir faire de l'aquajet, du vibraqua et du tranche, ce que j'ai déjà, en puissant et en rapide, en 15 fois! Bon, on finit Brindibou. Il a 6 sur 15 des aéropiques. Il est envie, Brindibou. Ouais. Bon, il est plus envie, Brindibou. On va envoyer Boscara. Il fasse des trucs. Allez, direction là, j'ai pas utilisé des compos, hein, c'est une régène là-bas.
Ok. Il me reste 25 Pokémon à rencontrer. Pas encore fait évoluer les futurs monarques. En fait, sur les rencontres Pokémon, je suis plus avancé que toi en fait. Hop là. Je suis à 224 sur 242. Pokémon enregistré. 197 attrapés, mais bon, ça. Je pensais que t'étais plus avancé que moi. Au final, c'est l'inverse. Je m'étonne. Sérieux? On voit le soleil derrière et la lune. Il se couche et il se lève, c'est rigolo. Je parlais de attraper, pardon, je suis à 225. Ah, d'accord. Attends. Je suis à 225 rencontré. Je suis à 224, donc c'est devant et tu. Il te reste 25 Pokémon à attraper. Je crois que c'est ça que tu veux dire. T'as bien farmé en vrai. Plus qu'une aéropique, une seule. Les tâches pour la 10e étoile, je pense pas. Si t'arrives à la 10e étoile, déjà c'est énorme. Après, toutes les tâches à faire, au secours, vraiment. Bon, Pokédex, Brindibou. Il faut juste que j'en attrape. L'évolution, on va la faire maintenant. Aéropic, c'est fait. Direction l'évolution de Brindibou. Il n'est pas tout, il n'a pas toute sa vie, mais c'est pas grave. Pourquoi? Ah, pardon. Allez. Oh, il est stylé. Et flèche. Et là, franchement, les deux évolutions là sont super stylées. J'aime beaucoup. Alors, les tâches de et flèche, quelles sont-elles ? Feuillage, atterrissage, aéropique 15 fois, puissant rapide 15 fois. Ok. Ça, c'est du 15 fois aussi. Et après, je pourrais avoir les autres qui me manquent là. Il y a beaucoup à faire au contrefort. 225, j'ai dit. Beaucoup à faire au contrefort. Il y a magnéti, magnéton dans la zone ici dont j'ai besoin dans les distorsions. Et après, c'est ouais, du contrefort. Et des légendaires.
Bon, je vais passer au camp. Et on va devoir s'arrêter là. Encore une fois, j'aurais pas terminé ce que je voulais faire. Il va falloir un stream supplémentaire sur Arceus la semaine prochaine, je sais pas quand. Ouais. Il n'y a pas de distorsion. Punaise, je vais rentrer au village parce que si la distorsion pop. Ou alors je reste là. Peut-être que j'irai farmer en off un petit peu les attaques de les flèches et de le maté loutre. En vrai. Mais si la distorsion pop en off, ça va. J'aimerais beaucoup attraper le magnéti et le magnéton en live. Je verrai bien. Tout le monde est heal ? Tout le monde est heal. Ouais, on va faire ça comme ça. Bon, il n'y a pas de musique, c'est dommage. On va sauvegarder. 55 heures de jeu, quoi, au secours. 55 heures de jeu. En attrapé, il me manque un dans les plaines. Ah ouais ? 3 au marais, 1 à la côte, 5 à couronner et 5 à frimapic. Sachant que c'est Goinfrex qu'il me manque aux plaines. Goinfrex, je l'ai jamais vu. Paragruel à la côte. Paragruel, donc là, c'est, il faut le faire évoluer, c'est ça? Si tu le fais évoluer, ça considère comme attrapé. Le poisson moche, là. Et les 4 fossiles à couronner. Et ouais, les 4 fossiles, c'est dans les distorsions. Hein. Et le reste, je sais pas trop, sûrement des évolutions. Oui, avec des items. Très sûrement. Voilà. Bon, la suite du programme sur Ivasound. Mince, attendez, je sais pas. Punaise. C'est, je crois que... Non, il y a pas de Draken hein, ce soir. Il n'y a pas de Draken ce soir. Ouais, c'est ça. Donc, suite du programme, la semaine prochaine, il y aura sûr et certain du Légende Pokémon Arceus, du Pokémon Diamant Étincelant, avec probablement les deux... sera les derniers streams, sauf si on nous propose du contenu DLC plus tard sur Arceus, mais bon, ça je peux pas le savoir. Il y aura sûrement du Borderlands la semaine prochaine avec moi et Draken. Il y aura sûrement du Labyronia avec Ando la semaine prochaine. Les dates, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Il y a rien de voilà, il faut voir, je sais pas. Il faudra suivre ça sur les réseaux, donc rejoignez un peu partout. La violence de Robert Ivasound, quoi. Au secours. Ouais, donc suivez les réseaux, venez sur Discord, il y a des jeux à récupérer chaque semaine sur Discord. YouTube, venez sur Twitch, Twitch, allez sur YouTube, tout le monde, allez sur Discord. Voilà, passez un bon week-end, un bon vendredi, je vous retrouve la semaine prochaine, je sais pas quand, tenez-vous au courant, comme ça tout le monde sera au courant. Voilà, à très vite, cordialement, bisous.